J'en suis au jour 55 et je voulais vous faire la vidéo du coup depuis le jour 50, enfin 51 jusqu'à 55. Alors le jour 51, l'affirmation c'était je me concentre sur le présent, c'était vivez dans l'instant présent. Et il fallait que je note 5 cadeaux que l'instant présent m'offre. Donc le but c'est de regarder autour de soi et de voir ce que l'instant présent nous offre. C'était facile pour moi de réaliser ce défi sur l'instant présent et j'ai carrément relevé le défi parce que j'ai profité du moment présent sans me préoccuper ni de mon passé ni de mon futur. Donc c'était vraiment cool. En fait le but c'était de ne pas se concentrer sur le passé, c'était vraiment ça le défi. C'était dès qu'on a des idées de notre passé qu'on est en train de ressasser, de se dire stop et de se concentrer sur ce qu'on a autour de nous. Moi concrètement en ce moment je ne ressasse pas du tout mon passé, donc c'était très facile. Le jour 52 c'était alors vous rappelez-vous de ce que vous aimez? Et l'affirmation c'était j'aime avec trois petits points. Ben, le but c'était simplement de se rappeler, de prendre conscience surtout de toutes les choses qu'on aime. Et je crois qu'il fallait faire une liste d'au moins, enfin d'une dizaine de choses ou au moins 5 pour remplir le cahier. Et d'un maximum de choses. Moi j'étais avec mon amie pendant ce week-end et je lui ai demandé de me faire la liste de tous les trucs qu'elle aime, tout ce qui lui vient passe par la tête. Donc elle a fait une grande liste. Elle m'a demandé toi et j'ai commencé à énumérer des trucs que j'aime. Je me suis rendu compte que la majorité des choses que j'aime se trouvent dans la nature. J'ai listé les choses principales sur mon cahier. Donc le défi a été relevé. Je l'ai fait avec une amie aussi. Ça faisait partie des défis bonus. Et en fait on aime vraiment énormément de choses dans la vie et c'est clairement ce qu'il y a de plus important. D'aimer. Aimer les choses et s'en rendre compte, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Jour 53, c'était soyez positif, la vie est belle. Là, c'est clair que la vie est belle, la vie est parfaite, ça fait partie des choses que je répète à longueur de journée, à moi-même et aux gens qui m'entourent. Ça fait partie des affirmations que je me répète très très régulièrement. Et effectivement, j'ai essayé d'être positive sur tout ce qui arrivait, même sur la politique, parce que c'était la période de l'élection et j'étais pas forcément d'accord avec les candidats. Et également sur les péripéties que j'ai eues avec ma coloration. Vous avez peut-être suivi si vous avez vu la vidéo, vous allez bientôt le suivre si vous l'avez pas encore vu. Mais il y a eu des péripéties pour arriver à cette coloration et même si c'était très compliqué, que mes cheveux ont vraiment galéré et que moi j'ai eu très très peur du résultat, effectivement j'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. Le bonus 1 de ce jour-là, c'était de noter dans le journal tous les événements positifs qui se sont présentés dans la journée. Et donc j'ai fait une liste qui est assez longue. Jour 54, définissez vos intentions. Mon intention aujourd'hui est de... Et j'avais mis que mon intention était de comprendre les messages qu'on m'envoie. Globalement, c'est l'intention de ce défi des 100 jours, donc c'était pas très recherché, pas très compliqué à noter. Donc j'ai pas eu grand chose à noter ce jour-là, parce qu'effectivement c'est l'intention de mon défi des 100 jours, donc c'est juste un peu me répéter ou me le rappeler. Et nous arrivons au 55e jour, qui était de dire oui à la vie, oui, merci, ça c'était l'affirmation du jour. Et en fait, ce défi du jour représentait un peu un yes man ou un yes woman. C'est simplement que pour développer son intuition, pour être ouvert à l'intuition, il faut être ouvert à la vie, ouvert aux opportunités. Et donc, quand on nous propose quelque chose, même si on n'est pas trop emballé, il faut savoir dire oui, merci beaucoup et dire oui, tout simplement à bras ouverts, accepter la vie qui se présente à nous, dire oui et y aller, faire un pas en avant, sortir de notre zone de confort et se lancer. Donc j'ai assimilé ça un peu à un défi yes man où il faut dire oui quoi qu'il arrive en fait, parce que de toute façon la vie nous réserve que de belles choses. Donc je me suis dit, c'était aujourd'hui et je suis en train de terminer ce défi là aujourd'hui, que c'était une journée yes man, voilà, yes woman dans mon cas. Et ben écoutez, il s'est absolument rien profilé à l'horizon. À vrai dire, j'avais un peu peur aujourd'hui qu'on me pose des obligations, qu'on me propose des choses que j'ai pas envie d'accepter. Et c'est, ben voilà, la vie m'a permis d'avoir une journée yes man où on ne me propose rien. Comme ça, je suis restée dans ma zone de confort tout en remplissant le défi parce que j'ai pas dit non. J'ai juste pas eu l'occasion de dire oui. Le défi, du coup, me demandait de dire oui et de noter les 5 grands oui à la vie. Et, ah oui, je me suis rendu compte d'une énorme bêtise que j'ai fait au boulot qui a mis un mois de retard. En fait, c'est pas que moi qui ai fait cette bêtise, mais peu importe, je prends la responsabilité sur moi parce que c'était aussi de ma responsabilité de m'en rendre compte, pas que de celle de mon patron, donc c'était tous les deux, mais c'est moi qui m'en suis rendu compte. J'ai accepté le fait que j'ai fait une grosse bourde et qu'on était à 12 heures
dans la catastrophe intersidérale et je suis allée lui avouer ma faute. Alors bon, en temps normal, de toute façon, j'avoue mes erreurs quand je m'en rends compte, mais là j'avais vraiment très très honte d'avoir oublié ça. J'ai d'ailleurs pas compris comment j'ai fait pour oublier ça. Et ben lui non plus parce qu'il a oublié aussi d'ailleurs. Voilà, donc j'ai dit oui à la vie qui m'a fait me rendre compte que j'avais fait une énorme bêtise et j'ai assumé les conséquences. Je sais pas si ça compte, mais c'est la seule chose que j'ai à raconter parce que sinon j'ai pas dit oui à grand chose. Voilà ce qui clôture la troisième partie de ce défi des 100 jours et à la prochaine vidéo je commencerai la partie 4 à partir de demain qui est l'ouverture des perceptions et j'espère que ça va être trop génial. En fait j'en suis persuadée, ça fait déjà plusieurs jours que ce défi est super intéressant, super enrichissant, que j'apprends plein de choses et que je me régale. Il est parfois même trop intense pour une seule journée, j'ai pris énormément de retard dans ce défi parce que ces derniers jours j'avais besoin des fois de 2 ou 3 jours pour réaliser un défi et j'avais pas envie de passer au jour suivant tant que j'avais pas réalisé le défi. J'espère que ça vous plaît toujours et que vous prenez du plaisir à me suivre, que c'est pas trop compliqué à poursuivre le cheminement. En tout cas moi je vous remercie de me suivre et de me soutenir, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.